Salut les amis, c'est Aquasis et on se retrouve dans cette nuit pluvieuse pour la suite de notre aventure avec le mode The Legend of Notch. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu arrangé donc l'île, là j'ai vraiment fait... j'ai aplani, j'ai fait une entrée, je me suis fait un truc, voilà, un petit truc tout à fait fabulous, n'est-il pas? Et surtout, ce que je vais commencer à faire, c'est que j'ai prévu... Ah, je n'ai plus de sable, oh... Je ne veux pas prendre le sable de cette île. Non, j'ai eu trop de mal à la faire, Zoli. Ça attendra. J'ai le projet de faire une petite verrière avec dans laquelle je mettrai d'éventuelles cultures. Mais il semblerait que ce soit pas possible pour le moment. Donc, oui, il me faut une épée en bois. Voilà. Épée en bois, car nous allons attaquer, donc... la tour. Et le seul petit inconvénient, c'est que je ne peux pas utiliser autre chose que ça. Bon, le jour se lève, c'est parti pour l'aventure. Après, il faudra que je me fasse un lit, étant donné que je pourrais dormir à l'air libre. Mais je me ferai quand même une petite maison. Pour l'instant, de toute façon, il fait pas si sombre que ça. On voit très très bien. Enfin, moi, je trouve qu'on voit très très bien. Enfin, surtout parce que c'est le jour qui se lève, mais... Ah, un zonzon, un bibi, un zombie. Crève, crève, crève. Attends, on va finir l'autre épée d'abord. Crève, 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 crève. Ah voilà, je gagne toujours de l'expérience quand même. Non, c'était un bug de... Oh, mouton, il va se suicider. Non, mouton, non. Ne fais pas ça, tu as tellement belles années devant toi encore. Que dirait ta famille? Il dirait ben. Ok. Alors déjà j'ai un garde là qui arrive. Casse-toi. Casse-toi. Il tape très fort. Il tape trop fort. Casse-toi. Casse-toi. Dégage. Dégage. Non, dégage mec. T'as pas compris. Tu dégages. Tu dégages. Tu ne me touches pas. Pas me toucher à moi. Pas me toucher. Non. Non, tu touches pas. Non, tu ne me touches pas. Non, tu m'as pas touché. Putain, c'est tout ce que je gagne comme expérience pour avoir tué un machin si difficile à battre. Putain, mais j'ai des... La durabilité de mon épée est déjà morte. Bon, je pense que pour cette mission, je vais avoir besoin d'attendre au moins le niveau 5. Pour pouvoir avoir au moins une épée en pierre. Et supporter un petit peu mieux. On va donc faire... mettre la mission en suspens. Et plutôt se concentrer sur l'expansion, mes amis. C'est-à-dire, nous allons continuer à avoir des ressources à explorer le ravin qui se trouve en dessous de la maison. Pour être sûr d'avoir donc des ressources, quoi. Je ne sais pas. Au fait, au passage, j'ai essayé donc de faire des outils en cobalt. Mais non, le cobalt n'est pas fait pour ça. Donc pour le moment, on va se contenter. Ouh, on va se contenter de visiter la mine. J'ai pas touché à la mine, hein, par contre ça, à l'intérieur de la mine. Donc on va se faire une pioche en fer. Voilà. Petite pioche en fer. Ah, et voilà qui fait beau. C'est déjà plus agréable que d'avoir le bruitage de pluie dans les oreilles. Bon. Voilà, il fait très très beau. Il fait très clair, c'est très sympathique. Ça donne envie, on continue. Bon, je vais quand même finir d'user les pioches. Quand même pas déconner non plus. J'aurais dû prendre un peu de poids. Ok. Le seul problème, c'est que... Non, j'ai besoin de torches. Je vais utiliser le dernier charbon que j'ai. Je récupérerai un peu. Je devrais peut-être aller voir quand même, comme le roi a dit, les missions des personnages secondaires. Sait-on jamais s'ils ont des trucs intéressants qui pourraient me rapporter de l'expérience. Bonjour. T'as peur des creepers, ok. Toi, I don't have anything to tell you, connard. I'm scared of creepers. Mais, c'est tout ce que tu as à me dire. Merci. Je m'en fous de Uncle Bob. Mais je m'en fous de Frank. A bed. Merci. I feel safe now down. Putain, putain.
Tu enlèves les... Who are you? I say. Qu'est-ce que... J'ai comme la sensation que les villageois sont un peu cons. Mais je m'en fous, ton oncle Bob. Tu sais ce que j'en fais, ton oncle Bob? Mais oui, il fait beau, je sais, mais... Hein, tu fais trempette? Have you ever saw an old entrance which goes very deep in the ground? Oui. J'essaie de voler quelque chose. What you think you're doing? Stop that nonsense! C'est toi le nonsense. Cool, une vache. Un peu d'expérience. Oh, deux vaches. De l'expérience. Ouais. Ma... Bon. Ah, la hache! Voilà, peut-être, je me demande pour ce qui est de l'équipement sur soi, ce que je peux en faire. Yeah. Ah, je peux me faire des potes. Est-ce que, non, il n'y a pas de restriction au niveau de l'équipement sur soi, ça se concentre sur les armes. C'est déjà bon à savoir. J'ai pas besoin de bouffe, de toute façon, je regagne ma vie. Oui, donc j'étais venu pour prendre à la base des... Torche, voyons. Voilà, on utilise les dernières. Ah, chut, Tyson. Quand c'est pas le chat, c'est toi. Aïe, 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 cet animal. Enfin, ces animaux. J'ai pas de chance avec eux, hein. Allez, rentre dedans. Oh. Oh, je me suis fait une petite bobo. Mais ça va. Du cobalt, de l'argent, de la redstone. Je suis plus à aller voir l'argent. Je me demande à quel... Je pense que ça doit être le niveau 10, c'est ça pour les épées d'argent? Mah, lame. Ce pack de texture supporte bien le mouvement des blocs. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, pas mal. Ces cours d'eau sont utiles, mais ils me gênent. Et voilà, on illumine un peu le coin, parce que c'est triste à mourir. Putain, il y a trop de lave dans le coin, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Ouh. Ça m'a frisé les cheveux. Ah, cette ressource, j'ai envie de savoir ce que c'est que ce bloc. C'est quoi? Wow. C'est quoi ce bidouf là? Explique pourquoi il est si chiant à miner. C'est quoi cette histoire? Ça doit vouloir dire que je ne peux pas le miner avec cette... je pense que seule la pioche en diamant doit pouvoir y faire quelque chose. Il doit avoir la durabilité de l'obsidienne ou quelque chose comme ça. C'est qu'il doit être important. Donc autant se rappeler qu'il y en avait un ici. J'essaye d'allumer un peu dans le coin, histoire qu'on n'ait pas trop de problèmes avec les monstres, même si bon... Oh, il y a un creeper en haut. Oh, qu'est-ce que... Diamond! C'est quoi cette connerie? J'arrive pas à miner le diamant. Oh, laissez-moi deviner. C'est le niveau de minage. D'accord, ben... Eh ben les amis, il semblerait que mon niveau m'interdise de miner le diamant qui se trouve juste en bas. Quand bien même je pourrais l'utiliser à de bonnes fins. Je ne te remercie pas. Mais bon. Hein, c'est RP on veut dire. J'en ai rien à foutre du RP, je veux mon diamant bordel. Bon. Au moins, hop, on monte. Creepy, creepy creepouille, creeper. Par contre, je sais pas à partir de quel niveau je peux miner quoi. Ah, donc ça va être la surprise. C'est bien aussi d'avoir un peu de surprise, parce que si je sais déjà tout, je vous dis tout ce qu'il y a dans le mode, et puis voilà, je ferme et on arrête la série. Alors qu'un peu de découverte. Alors par contre, j'ai pas d'armes sur moi. Je peux pas buter Creeper. Bon. C'est pas cool tout ça. C'est pas cool.
cool, pas cool, pas cool du tout. On va le faire tomber. Il est où? Putain, il est là. Bon, il aura commencé à miner pour moi. Il est gentil. Mais tu ne fais pas d'effort. Oh, ça, c'est bien un truc qui m'énerve. C'est les courants d'eau comme ça. Est-ce que ça peut m'énerver? Vous n'avez pas idée. Aïe, bobo. Et aussi les jambes cassées. Ça m'énerve aussi d'avoir les jambes cassées. Ouais, de l'expérience qui ne fonctionne pas. Ouais, minage niveau 7. En espérant qu'il rentabilise les niveaux de minage. Enfin non, ce serait trop simple. Ça casserait tout. Ou alors que ça aille uniquement dans le minage. C'est possible aussi. Hein. Alors, dans ce cas, je ne devrais pas gagner d'expérience en minant de la simple... Oui, je vois le petit morceau de charbon là. Bon, ouais, je vais le prendre. Voilà. On va aller là. On suit l'escalier et on y va. Alors, ici je vois de la... Ah non, c'est pas de la redstone ça. C'est encore un nouveau minage. Je pense que c'est du rubis. Cool, niveau 8. Je peux miner. Je peux le miner maintenant. Et le diamant, je peux le miner maintenant. Non, toujours pas. Niveau 8, c'est pas suffisant. Je vois, je vois. Non, mais c'est bon à savoir. Moi, c'était niveau 10 ou 20 ou quelque chose comme ça. Un chiffre symbolique, une connerie du genre. Attends, je continue de récupérer le cobalt, c'est la seule chose que je semble, qui me semble que je puisse récupérer pour le moment. Quand bien même je n'ai aucune idée de ce que je vais en foutre. Et quand bien même vous, je pense que vous ne voyez strictement rien à ce qui se passe. Moi-même je ne vois pas, mais... Il faudra que je remette la du... Ah, j'ai entendu du bruit. Quelqu'un a bougé. C'était moi. Parano. Ok, je ne peux toujours pas miner ce minerai non plus. Il y a autre chose de l'autre côté. Voilà. Okay. Voilà. La lave va s'arrêter. Et le temps qu'elle s'arrête, ça me donne le temps d'avancer. Ok, donc là par contre, il y a du cobalt. Je le prends, je fais des choses dangereuses. J'aime le risque. On va enlever cette saleté d'eau qui commence à me casser les pieds et on avance. C'est ce que je fais en train de... est très dangereux étant donné qu'on ne voit rien. Et que je pourrais me perdre dans ces obscurités. Non, ça me fait mal aux yeux, ça m'énerve. On va sortir de là. On va sortir vite fait. La lave est toujours là, c'est parfait. Je vais rester dans le coin. Juste le temps... je n'ai même pas de bois. Je n'y pensais à rien pour du minage de longue durée. À quoi? À quoi penses-tu? Lol, à quoi? À quoi penses-tu? Désolé, je craque psychologiquement là. Aïe. Putain, mais il a les jambes en figue ou quoi celui-là? Oh. Mais tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter, tu vas grimper. Allez, nage. Bitch, nage. Obéis à mes ordres. Et là par contre il y a du charbon, tout ça c'est très joli, là il n'y a rien en haut, on avait déjà vu ça. A défaut d'être vraiment utile, c'est pour me donner déjà un peu plus pour les torches. Et un éventuel, voilà, un éventuel niveau supérieur. Ce serait bien qu'il y ait un petit message qui dise genre à partir de maintenant vous pouvez miner tel ou tel truc. Ce serait pratique. Non parce que hop, hop, hop. Ah bah il fait nuit. Et ça marche, il n'y a pas la moindre trace de monstre dans le coin, à croire que j'ai bien éclairé la zone. Bon, inutile de faire fondre pour l'instant le cobalt, puisque je ne sais pas quoi il me sert. Par contre, je ne suis pas contre... ah bah, j'ai de l'iron. Alors déjà, ça va me permettre de voir peut-être quel niveau pour l'épée en fer. C'est d'autant bon niveau 10 au moins. Alors, niveau 10, c'est ça. Bon. Et il me manque toujours... Ah, oh, je n'ai même pas atteint le niveau 4. Bon. Du bois, bon bah... Il pleut encore. C'est mon cœur qui se brise. Car je ne peux pas me battre.
Bon bah on va prendre une épée et on va les taper. Allez les amis. On va taper, ouais. J'ai vraiment besoin du niveau 5, sérieusement. J'ai besoin d'une épée. De pouvoir porter une bonne épée. Ah déjà je vois le petit squelette. C'est cool ça. Ça va me faire quelques points d'expérience. Avec un peu de chance peut-être un niveau 4. Allez tiens tous les deux. You can touch me bitch, lol. Yeah, niveau 4. Allez, allez. Bien. On continue. Avec un peu de chance, je peux atteindre le niveau 5 avant la fin de l'épisode. De toute façon, je finis l'épisode quand j'en ai envie, donc ça n'a aucun rapport, mais bon. Ça, c'est... Ce n'est qu'un détail. Personne n'a besoin de ces détails. Donc il y a toujours cette tour là-bas. D'ailleurs, cette tour m'empêche un peu d'aller plus loin, puisque bon... Oh bah tiens, il y a un autre petit îlot dans le coin. Par contre, j'ai l'impression d'être vraiment au milieu de l'océan, et si c'est le cas... Une longue séance de bateau à la The Wind Waker va s'imposer. Qui veut dire abandon des ressources, quoi. Abandon du coin. Et ce serait un peu chiant. À moins que je me fasse une carte avant ceci. Chose qu'il faudrait que je pense. Il me faudrait de la Sugar Kate. Déjà, je vois un monstre là-haut. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça s'appelle un cochon. Bon. Ça va, je pense connaître. Ah j'allais dire sérieusement, il n'y a pas de monstre quoi. Allez, yaourt. Yaourt. Pourquoi ça m'a frappé dans ça? Ah. Oh. Ah bah le voilà mon niveau 5, il est là. Oui. Ou ma mort, au choix. Étant donné que... Putain, une durabilité de merde. Caster Creeper. Ah oui, merci, tu m'aides. Yeah. Allez, le dernier. Aïe. Non, mon épée a cassé déjà. Yeah. Elle aurait pu résister un petit peu plus longtemps. Pourquoi ils sont tous de niveau 1, sérieusement? Ah ouais, parce que c'est le monstre de base, j'imagine que ça doit... Pourquoi il attaque plus? Ah, j'allais dire. Voilà, pourquoi il t'attaque plus. Yeah, plus que 4 points d'XP. Bah, pour ça, je vais tuer un cochon et puis voilà, j'ai mon niveau 5. Ce qui veut dire que je vais pouvoir porter donc une épée en pierre... Et au passage, peut-être essayer d'aller me friter contre les gardes. Mais pour ça, d'abord, j'aimerais bien me faire un petit équipement en fer. Ce serait pas de refus. Parce que là, voilà, là j'ai du matos. Je vais me faire un peu d'équipement. Voilà. Parce qu'apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir de niveau pour les armures. J'en profite donc. Et voilà. Il me reste encore 2 lingots de fer. Nickel. Voilà. À quoi il brille maintenant? Bien. Ceci étant, je vais me refaire une épée. Ouais. C'est la honte ce truc. Et par contre, putain, tu te fais un parquet avec cette texture de bois, c'est magnifique. Faut vraiment que j'y songe hein, dans un autre épisode. Allez, on va se faire le cochon, on prend le niveau 5 et on arrête l'épisode. Comme ça, au moins. Enfin, cochon, quoi que ce soit. Attendez, est-ce que je peux, maintenant que j'ai... Oui, copain! Petit copain. Allez, petit mon copain. On va ranger un peu tout ce bric-à-brac. C'est du bric-à-brac, tout ça. C'est du bric-à-brac, tout ça. Espérant que ce... Ce chien va résister plus longtemps que mon dernier compagnon. Non, 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 non. Tu te casses. Ah, il est vivant. Ça va bien? Bro, t'as l'air un peu cramé. J'ai pas de la bouffe sur moi. Étant donné que la bouffe ne me sert à rien parce que je regagne ma vie, il en aura plus besoin que moi, je crois. Putain, pourquoi le cochon est là-haut? Sérieusement, mec. Qu'est-ce qu'ils ont là? Entre le mouton... qui faisait là, je sais pas, son saut de l'ange et lui qui fait de l'acrobranche, mais c'est bon quoi. Attention. Fly. Ça ne donne pas d'expérience. Et ça ne donne pas non plus de bouffe. C'est quoi ce cochon bas de gamme? Bon, ben, poulet. Allez, poulet. Poule, qu'importe.
plus poule étant donné qu'elle est capable de livrer des œufs. Voilà, plus qu'un point d'expérience. Loulou, viens là. Enfin, tiens. Voilà. Je le renourris, je lui redonne un peu des PV étant donné qu'il s'est pris explosion de creeper. J'ai pas envie qu'il me décède directement. Qu'il survive un peu, que diable. Alors toi, tu vas payer pour les autres. Bon. Mouton, tu me donnes niveau 5. Yeah. Donc ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Maintenant que je peux équiper les épées de pierre, nous allons voir ça tous ensemble. Allez, on court, on vole, on pirouette. Non, je ne ferai pas ce jeu de mots. Allez, pourquoi ce bois ne part toujours pas? Ah, aussi si je ne le coupe pas complètement, aussi ça n'aide pas. Voilà, il devrait partir maintenant. Allez, de la laine, la dirt. On va donner tout ça à Loulou. Où il est? Viens à toi. Tiens, tiens. Om nom nom. Voilà, comme ça tu vas bien. Et on se prend donc l'épée en pierre. Yeah. C'est devenu tellement magnifique maintenant d'avoir une épée en pierre alors que c'est tellement stupide au début. Bon, bref, on va pouvoir mettre ça à la poubelle. Donc voilà, c'était Aquasix donc pour la suite de notre aventure avec le mode The Legend of Notch. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Facebook ou Twitter si la vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve au prochain épisode. Vous voyez, le loup vous fait des cœurs. A plus. Je vous aime.